Écrire l'équation de la droite qui passe par le point de coordonnées moins 12, moins 14 sur 3 et dont le coefficient directeur est 1 sur 3. Alors l'équation d'une droite, c'est de la forme y égale ax plus b où a, c'est le coefficient directeur. Ça nous donne la pente de la droite et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Ici, on nous donne le coefficient directeur. On nous dit que la droite a un coefficient directeur de 1 sur 3. Donc, A, c'est 1 sur 3. On peut donc réécrire l'équation de la droite. Y égale le coefficient directeur 1 sur 3 fois x plus b, l'ordonnée à l'origine. Et maintenant, on n'a plus qu'à résoudre cette équation pour trouver b. Pour ça, on va utiliser le fait que la droite passe par le point de coordonnées moins 12, moins 14 sur 3. Ça veut dire que quand x vaut moins 12, y vaut moins 14 sur 3. Moins 14 sur 3. Autrement dit, moins 14 sur 3 égale le coefficient directeur 1 sur 3 fois x, donc ici, moins 12 plus l'ordonnée à l'origine b. Et maintenant, on n'a plus qu'à isoler b. Alors, à gauche, on a toujours moins 14 sur 3. Ici, 1 sur 3 fois moins 12, ça fait moins 12 sur 3 et ça se simplifie en moins 4 plus b. On ajoute 4 de chaque côté de l'équation de façon à isoler b à droite de l'équation puisque les 4 s'annulent. Il nous reste b, et de ce côté, on a 4 plus moins 14 sur 3. Alors, je vais réécrire 4 de façon à avoir quelque chose sur 3, comme ici, pour simplifier les calculs. 4, c'est comme 4 sur 1. Je multiplie au numérateur et au dénominateur par 3. 3 fois 4, 12. 12 sur 3, moins, puisque plus par moins, ça fait moins, 14 sur 3. Donc, b égale 12 moins 14 moins 2 sur 3. L'équation de la droite devient y égale le coefficient directeur qui nous était donné dans l'énoncé, 1 sur 3 fois x plus l'ordonnée à l'origine que l'on vient de trouver, moins 2 sur 3, moins 2 sur 3. Et on a terminé!